Les gobies et les crevettes ont tout intérêt à coopérer. Les crevettes creusent un trou dans lequel les gobies se dissimuleront. En échange, elles mangeront les restes de leur repas. Les gobies montent la garde et alertent les crevettes en cas de danger. Leurs liens sont si étroits qu'ils restent toujours en contact physique, par la queue, une nageoire ou une antenne. Les rochers escarpés sont la pouponnière des jeunes cabris. Ils passent leur premier jour dans les hauteurs, à l'abri des prédateurs. En dehors de l'Égypte ancienne, il ne reste que très peu de traces de l'existence du chat domestique à cette époque. Mais la ville d'Alexandrie était un grand port à partir duquel les félins ont pu se répandre. En peu de temps, ils se sont dispersés dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Depuis leur Moyen Âge d'origine, les chats domestiques présents à bord des bateaux colonisent tous les continents de la planète. Ils peuvent détecter la présence d'un humain à des kilomètres. Ils parviennent à entendre le battement de son cœur et à saisir ses émotions. Tandis qu'ils se répandent dans le monde entier, leur robe prend de nouvelles teintes. L'une d'entre elles témoigne notamment du passage des Vikings. Somewhere along the line, à un certain moment, certaines populations vikings se sont mises à apprécier les chats roux. Pourquoi ? On l'ignore. Leurs qualités de chasseurs de souris ne sont pas meilleures et ils ne supportent pas mieux le bateau. En tout cas, les endroits fréquentés par les vikings connaissent une plus forte densité de chats roux. Les chats roux sont plus courants dans les zones où les vikings avaient l'habitude d'accoster. Les crabes décorateurs implantent des petites éponges, des coraux et des anémones sur leurs carapaces et finissent par ressembler à des jardins ambulants. D'autres ramassent des végétaux qui leur servent de déguisement ou de deltaplanes.